chacun notre identité. Voilà. Oui, oui, non, mais. Voilà. Je dis ça simplement pour assurer. Oui, oui. Si vous lisez l'hébreu, je vous. Je lis l'hébreu. Non, je vous renvoie. Moi, je dis ça pour assurer. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin de rassurer, mais il y a un très long cours de Manitou qui retranscrit. Dans le deuxième volume de Shaar Edima, donc ses cours sur la Tfila, où il discute de la signification de la bracha Shelo Asani Isha, que les hommes disent le matin, alors que les femmes disent Shelo Asani Kertsono, et vous verrez là-bas que la plupart des questions tombent à partir du moment où on comprend de quoi il est question et on n'invente pas toute une théorie basée sur pas grand-chose. Seulement autre chose par rapport à Isaac et Rivka, oui. Qui étaient stériles, à un moment donné dans la Torah, Isaac, je ne sais pas si c'est Isaac, il dit, mais pourquoi tu es dans ton coin, il faut que tu pries toi aussi, si tu veux être... Non, c'est d'après la fila de Yitzhak qui a été agréée par celle de Rivka. Oui, parce que... Oui, alors pourquoi là, la réponse est très simple. Oui. C'est que... Parce qu'il lui parle, Rivka, il lui dit... Non, il lui dit rien du tout. Dans la Torah, il ne dit rien du tout, mais l'explication, c'est qu'il y a une différence entre deux types de tfila, Tzadik ben Tzadik et Tzadik ben Racha. Et comme Rivka est Tzadik bat Racha, elle a moins de mérite à ce niveau-là que Tzadik ben Tzadik, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est le mérite est plus important, non pas quand on est l'opposé complet de celui qui a précédé, dans ce cas-là, Rivka par rapport à son père, alors que c'est plus difficile d'être tzadik ben tzadik. Oui. Bon, mais ça c'est lié à ce problème-là, pas du tout à une quelconque supériorité a priori parce qu'il est homme et qu'elle est femme. Oui. Merci beaucoup. Deux informations, s'il vous plaît, avant de finir.